Très bien. Alors maintenant, on va demander à Bertrand Steib, qui est ingénieur et qui est le président des experts à la Cour de cassation. Et donc, son sujet est identification et conséquences des pannes électriques. Quelle prévention possible ? Les pannes techniques. Oui, oui. Ce n'est pas les pannes électriques. Oui, chez moi, c'est les pannes techniques. Voilà. Donc, messieurs, bonjour. Je vais vous positionner en tant qu'ingénieur. Je ne suis pas chirurgien. Ça, je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, moi, c'est le côté technique, purement technique, que je vais vous parler. Et donc, je vais essayer de vous expliquer quelle serait la prévention possible qu'on peut faire dans un bloc opératoire, toujours par rapport au matériel technique et les outils, le domaine technique spécifique du bloc opératoire, la durée de vie d'un appareil, ça c'est important. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à des choses que vous connaissez. Et comment diminuer le taux de dysfonctionnement d'un appareil. Donc, les prérequis techniques avant une opération, c'est multiple, mais la partie qui me préoccupe moi et qui m'intéresse et que je vais traiter, c'est l'imagerie, c'est la gestion locaux et de l'infrastructure, c'est les utilités, c'est les équipements techniques des outils. Et vous avez un patient, vous avez l'intervention chirurgicale qui met tous ces appareils en œuvre et normalement, quand vous avez fini, le patient sort. Et donc, le problème, c'est que l'évolution des techniques, et notamment de l'électronique et de l'informatique, pose un problème et augmente la fragilité des appareils et augmente très significativement le risque de dysfonctionnement. Donc ça, c'est lié notamment à l'informatique, puisque vous savez qu'un programme sans bug, ça n'existe pas. On peut le diminuer, on peut faire, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un cas qui n'est pas prévu et ça se plante ou ça fait autre chose. Donc tout ça, ça fait qu'on a des risques d'augmentation de dysfonctionnement. Donc il y a plein de techniques qui permettent de verrouiller. Et tout ça, ça augmente considérablement le risque. Alors, je vais d'abord parler des utilités. Les utilités, c'est le bloc opératoire, c'est tout ce qu'on vous met à disposition. Donc, c'est l'électricité, la ventilation et le traitement de l'air du bloc, les fluides au sens large, donc les gaz médicaux, l'air comprimé, le vide pour l'aspiration, l'air médical comprimé, l'eau stérile ou pour lavage des mains, etc. Et la liaison informatique. Ça, c'est les utilités. On met ça à disposition du bloc opératoire. Donc ça, en tant que tel, je ne le conserve pas comme une machine ou un appareil ou un instrument. C'est les utilités. Donc ces utilités sont mises à disposition du bloc opératoire par les services techniques de l'hôpital, sont régies par des textes réglementaires et des normes très carrées, et font l'objet de contrôles réglementaires périodiques et obligatoires dont le service technique généraux gère. Donc là-dessus, dans le bloc opératoire, il n'y a pas de problème particulier sur ce que je viens de vous dire, ce que j'appelle les utilités. Après, dans le bloc opératoire, vous avez deux types d'appareils, les fixes et les mobiles. Alors le fixe, c'est la table opératoire, c'est l'éclairage, c'est le bras SSI, c'est le bras chirurgical, les écrans informatiques, les scanners, etc. Ça c'est du fixe. Alors, c'est important de discriminer le fixe et le mobile, parce que sur un appareil fixe, il y a moins de risques que de problèmes que sur un appareil mobile. Et donc l'appareil mobile, c'est la pompe à perfusion, le bistouri électrique, etc. L'échographe, les équipements d'anesthésie, les lasers, ça c'est tout ce qui rentre dans des appareils mobiles. Et vous allez voir pourquoi il faut avoir une attention plus particulière par rapport aux équipements fixes. C'est pour ça que je fais la discrimination. Donc les équipements médicaux d'un bloc opératoire doivent faire l'objet d'un certificat conformément à la réglementation qui leur est applicable. Donc il y a des directives, il y a des textes réglementaires qui viennent de l'expérience. Donc
l'obligation réglementaire du concepteur de l'appareil, donc ça c'est, je suis sur la personne qui conçoit l'appareil, hein, donc ce n'est pas l'utilisateur, sauf que ce n'est pas vous, doit faire l'objet d'une analyse de risque de l'appareil. Donc il est obligé d'envisager tous les cas possibles de dysfonctionnement et de risque, etc., pour pouvoir justement y pallier autant se faire se peut. Donc ça, c'est le législateur qui l'impose, c'est la directive des appareils médicaux. Et pour qu'on ait sûr que ça marche à peu près, ils sont soumis à une obligation réglementaire de maintenance. Donc c'est pas je veux, je veux, je veux pas. C'est une obligation réglementaire, c'est justement le législateur qui s'est immiscé dans la vie des blocs opératoires, on va le dire entre guillemets, en analysant les accidents. C'est simple, dans les accidents, il y a beaucoup d'enseignements et on apprend beaucoup de choses. Et justement, je vais vous parler de la durée de vie d'un appareil qui est en trois phases, comme vous pouvez voir. Et on appelle ça faute de baignoire. C'est baignoire, c'est... Alors tous les appareils ne ressemblent pas à ça, mais l'idée est ça. Et ça, ça ressemble aussi à l'être humain. Parce que quand on est bébé, on est beaucoup malade. Après, on est moins malade, on vit sa vie d'adulte et d'adolescent. Et à un moment donné, quand la vieillesse arrive, pas trop vite, on espère, on arrive sur un phénomène d'usure où on a des problèmes l'un après l'autre, et ça, en général, ça se termine rarement bien. Eh bien, l'appareil, c'est la même chose. Donc, il y a la première phase qu'on appelle la période dite de jeunesse. C'est là où il y a un taux de défaillance très important. Après, on le dévermine, c'est-à-dire que la théorie, c'est bien, le laboratoire, c'est bien, on fait des essais presque pareils, c'est bien, sauf que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quand on prend les appareils et quand on travaille avec au quotidien, et là, on se rend compte qu'il y a des nouvelles pannes qui arrivent, des cas qui n'étaient pas prévus, etc., etc. Et donc là, on appelle ça le déverminage, dans le jargon d'ingénieur, où on, pour faire une image, on enlève les bugs. Ou les erreurs de conception ou les points de fragilité. Alors, on pensait que c'était bien, mais finalement, c'est pas assez robuste, donc ça crée plein de problèmes. Donc tout ça, c'est la période de jeunesse. La période avant, c'est la période de développement, ce qu'on appelle, nous, la conception de l'appareil, etc. La deuxième période, c'est la période utile. C'est là où c'est intéressant de travailler, puisque les ennuis ne sont pas présents. Et elle se caractérise par un taux de dysfonctionnement faible, et c'est aussi la période de maturité. Il n'y a quasiment pas de problème. On m'entend bien. Et après, vous avez la fin de vie, qui est la période dite de vieillesse ou d'usure. Et là, les dysfonctionnements augmentent de plus en plus, et la périodicité des dysfonctionnements ou des pannes explose. Bon, là, il est temps d'arrêter et de voir autre chose. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment diminuer le taux de dysfonctionnement d'un appareil. Ah oui. Ça me semble une question intéressante. Et alors là, il y a deux philosophies. Moi, j'ai acheté un appareil, je m'en sers, et quand ça casse, je répare. C'est la partie supérieure en gris. Gris, c'est pas bien, c'est pour ça que c'est bien en gris. Ça s'appelle la maintenance corrective. C'est-à-dire, l'appareil fonctionne, quand il est cassé, on va le réparer. Ou, on a aussi la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'avec l'analyse de l'appareil, avec le retour d'expérience, on sait que, par exemple, après X heures de fonctionnement, il faut faire une maintenance, vérifier que tout est bon. Ça, vous le savez, tout le monde, c'est la voiture. Oui, une voiture. La voiture, c'est la maintenance préventive, c'est au carnet de maintenance où le constructeur il dit tous les 20 000 km, il faut l'amener au garage, il faut faire la vidange, le machin, tout ça. Là, pour les appareils, c'est la même chose. Là, le législateur a mis son grain de sel et rend ça obligatoire. Donc, c'est plus je veux ou je veux pas. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Naturellement, la périodicité et ce qu'il faut faire, le législateur ne le sait pas. Ça, c'est le constructeur qui le sait, c'est normal. Et donc, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, c'est que le législateur a très bien compris
le problème, que pour augmenter la fiabilité de l'appareil, il faut faire une analyse de risque de défaillance, donc il la rend obligatoire, c'est pas si je veux, établir un plan de maintenance préventif, ça c'est une obligation, et faire l'historique des dysfonctionnements pour analyser et améliorer l'appareil afin d'augmenter sa fiabilité par des mises à jour régulières. Alors, si vous avez un incident sur un appareil médical, il faut le documenter, le renseigner et le signaler. Et il y a l'autorité étatique qui collectionne tout ça, en plus du constructeur. Et d'où la directive des appareils des dispositifs médicaux et la réglementation qui est attachée. Donc, l'expérience montre que la majorité des pannes d'un appareil électronique intervient à sa mise en marche. Ça, c'est classique, hein. Vous allumez votre télé, manque de boue, elle ne marche pas. Elle tombe rarement en panne quand elle marche. Quand elle fonctionne, les appareils tombent rarement en panne. Mais l'incident, le dysfonctionnement ou la panne arrive souvent à la mise en service. Statistiquement, c'est comme ça. Ça se peut s'expliquer, hein. Je peux vous l'expliquer et je vais vous le dire après. Et donc, pour réaliser un test de vieillissement, parce que quand on a un appareil neuf, on n'a pas de recul. Donc on va provoquer le recul et ce qu'on appelle des tests de vieillissement. Donc c'est des tests laboratoires. Et le test de vieillissement le plus contraignant, c'est s'amuser à faire des cycles marche-arrêt. Donc on fait fonctionner l'appareil, il chauffe, il fait, après on l'arrête, il refroidit, on attend, on remet. Et ça, on fait ce qu'on appelle des cycles de vieillissement et on regarde comment il se comporte. C'est très contraignant, hein. Ça a l'air de rien comme ça en parlant. Mais amusez-vous sur un appareil qui ne vous intéresse pas, ou vous amusez à le faire marche-arrêt, vous n'allez pas le faire longtemps. Hein. Il va vous expliquer que c'est lui le chef, qu'il a marre, il ne travaille plus. Donc cela correspond à de nombreux cycles thermiques, et ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que les téléviseurs, des anciens qui ont vu les téléviseurs avec des lampes, vous voyez, que c'est un vrai chauffage électrique, ah ben, ça chauffait beaucoup. Mais la fiabilité, elle a commencé à augmenter quand on a revu avec les transistors et qu'on a vu avec l'électronique et qu'on a enlevé ces ampoules, ces lampes-là, etc. Pourquoi ? Parce que l'électronique actuelle chauffe beaucoup moins et ça a augmenté la fiabilité. Les cycles thermiques, c'est très, très rédhibitoire pour les appareils. Donc c'est pour cette raison que les appareils électroniques stratégiques sont laissés en fonctionnement en permanence. Donc ça, il y a peut-être des gens qui le savent, il y a des appareils qu'on n'arrête jamais. Mm-hmm. Les informaticiens, ils n'aiment pas qu'on leur arrête leur machine, hein, parce qu'ils savent qu'elle marche, mais ils ne sont pas sûrs qu'elle va redémarrer après l'avoir arrêtée. Donc c'est pour ça que les appareils, on les laisse souvent en fonctionnement. Donc, comment minimiser le risque de défaillance des équipements techniques ? C'est la vérification des appareils techniques avant toute intervention chirurgicale. Donc, il faut d'abord faire la vérification visuelle, c'est vérifier l'intégrité de tous les appareils physiques. Ça, c'est facile à faire, il faut le faire. Vérifier que tous les appareils accessoires nécessaires à l'intervention sont présents. Tester l'ensemble des équipements afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Inspecter l'ensemble physique des cordons. Ça, c'est très important parce que ça, c'est des pièces d'usure, ils sont maltraités. Ils travaillent dans des conditions qui sont très contraignantes pour eux. Et les tuyaux des appareils mobiles, c'est une pièce fragile. Et vérifier l'état des batteries, ça parfois les gens l'oublient, ils s'en rendent compte quand c'est trop tard. Les batteries, ça. Et vérifier que l'ensemble des équipements sont correctement branchés. Ça, c'est pas une blague parce que ça arrive aussi que c'est mal branché. Et donc, j'ai fait quelques expertises, une bonne trentaine sur des appareils dits médicaux. Question de Monsieur Jardet. Et je me suis amusé à faire un tri statistique pour savoir quels étaient statistiquement les problèmes que j'ai rencontrés. Et là, vous voyez ça, les 90% de mes expertises concerne la période de jeunesse ou la période infantile ou de déverminage. J'ai 5% de mauvaise installation de l'appareil, c'est-à-dire l'appareil il n'a rien, mais il a été mal installé. Et j'ai 5% d'expertise dont le problème vient d'un mauvais paramétrage de l'appareil. Après, dans la partie des 90%, j'ai des situations aggravantes.
C'est-à-dire qu'on a un problème, mais on en a créé en plus. Et donc, j'en ai deux qui ont été aggravés par un manque de formation d'opérateurs. J'en ai une qui a été aggravée par la résistance au changement. C'est-à-dire que c'était un nouvel appareil. Le personnel, ben, il est ce qu'il est, il était hostile à la nouveauté. Il a tout fait pour que ça ne marche pas. Inconsciemment, hein. Mais donc, il est en train d'expliquer que son ancien appareil était mieux et il y avait une vraie résistance au changement. Et une qui a été aggravée par le problème de communication. Alors ça, c'est important parce que moi, j'ai mon vocabulaire, vous avez le vôtre. Le même mot, je ne suis pas sûr qu'il dit la même chose. Et quand vous parlez, quand vous caractérisez un problème, vous dites que ça ne marche pas, c'est bien. On sait que ça ne marche pas. Manque de bol, quand le technicien arrive, ça marche. Ouais, ça arrive souvent, ça, moi dans mes expertises, ça arrivait souvent. Et en fait, ils n'arrivent pas à se comprendre, problème de vocabulaire, de compréhension. Donc il ne faut pas hésiter à parler avec des images. Les images, c'est plus universel que des mots. Et pour et tout ce contexte-là est très important parce qu'on dit toujours qu'une chaîne casse par le maillon le plus faible. Et ça, tout le monde le sait. Parce que qui a fait du vélo et qui a cassé une chaîne, il a compris que ce n'est pas tous les maillons qui ont cassé, il n'y en a qu'un seul. Mais quand il y a un maillon qui a cassé, ben la chaîne ne sert plus à rien. Et ben, tout ce que je viens de vous dire, s'il y a un maillon qui est cassé, ça ne sert à rien, puisque vous allez vous retrouver devant un gros problème. Donc ça, ce n'est pas bien. Donc, il y a un message qu'il faut être très prudent, mais c'est comme la réalité. Pour minimiser le risque de dysfonctionnement des équipements techniques, il convient de ne pas acquérir un appareil qui vient d'être mis sur le marché, puisque là, vous avez 90% de chance, voire 100% de vous retrouver dans les problèmes de jeunesse. Donc, en faisant ça, un, vous devez le savoir, deux, vous devez prendre conscience que vous êtes en train de déverminer avec votre fabricant du matériel le matériel. Ça veut dire aussi que le personnel qui va s'occuper de ça, il faut qu'il soit au courant et qu'il accepte la démarche. Donc moi, bah je me rappelle toujours quand j'étais jeune ingénieur, j'étais très fier de moi, j'avais fait quelque chose, conçu quelque chose. Je vais voir mon chef, parce que quand on est jeune, il y a toujours un chef. Et je lui explique ce que je fais. Et le vieux briscard, il me dit, oui, c'est très bien. Et il me dit, ce composant, c'est quoi? Bah, je lui dis, c'est un composant, je lui explique, il vient de sortir. Il me regarde de travers, il me fusille du rouloir. Il dit, non, t'arrêtes tout de suite. Tu laisses faire les autres, moi je veux des choses qui marchent. Ça, ça m'a marqué. Hein. Et donc, mais ce n'est pas une blague, dans les appareils, c'est la même chose. Hein. C'est l'histoire de la mortalité infantile. Hein. Alors, si vous le faites, vous devez le savoir et prendre toutes les dispositions pour pallier aux problèmes qui vont arriver avec quasi-certitude. Après, ce qu'il faut, c'est vérifier, procéder aux vérifications élémentaires avant toute intervention. Ben, comme ça, vous rendez compte qu'il y a un problème avant de commencer à travailler. C'est toujours plus agréable. Et veillez à ce que le technicien de maintenance réalise parfaitement toutes les vérifications et tous les essais périodiques. Alors ça c'est le problème. C'est, on a l'habitude de faire. Je viens, je vois rien, donc il n'y a rien. Et après, la vigilance, elle baisse. Et après, ben, on ne fait pas forcément tout ce qu'il faut faire avec le sérieux requis. Et donc là, il faut être prudent. Ça, c'est la vigilance, elle baisse. Bon, dans un autre domaine, pour illustrer ce propos, c'est que souvent, quand il y a un accident du travail grave, faut que je clique. Quand on analyse ce qui se passe, c'est qu'il y a des signaux avant-coureurs. Et c'est quoi ces signaux avant-coureurs? C'est les dysfonctions de la machine, dont l'opérateur, qui est quelqu'un de très sérieux, contourne la difficulté pour faire son travail. Et au départ, il sait que ce qu'il fait est dangereux. Et à un moment donné, il banalise le risque, parce qu'il l'a fait 100 fois, 1000 fois, machin. Et il a plus la vigilance et craque. Et pour les problèmes de maintenance routiniers, c'est le même problème. C'est que c'est tellement routinier que c'est plus fait avec conscience et le sérieux qui s'impose. Donc là, il faut veiller que vous n'avez pas affaire à un artiste. Merci de votre attention. Très bien. Monsieur
Monsieur Bourré, il y a une question d'Olivier Jardet, je crois. Comment on fait ? Il est là ? Il est là, il parle. Eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci Bertrand pour ce bel exposé. Une réflexion, une question. Une réflexion, c'est quand même grâce à la technique qu'on a fortement progressé en chirurgie. Je vais te dire franchement que si maintenant je mets des prothèses de cheville numérisées et sous robotique avec une sécurité exceptionnelle que je n'avais pas quand j'étais moi-même chirurgien, même si ça fait 30 ans que j'en mets. Donc la technique, on en a besoin et on la surveille de près. Alors l'autre problème, c'est la responsabilité, parce que quand tu as une défaillance technique, radiographique, scanographique ou même le bistouri électrique qui fait des brûlures pendant l'intervention, le patient, il porte plainte contre toi, il porte plainte contre le chirurgien avant de porter plainte contre la technique derrière. Et donc, c'est comment on peut faire ? Parce qu'on est à la fois très dépendant de la technique, mais on a aussi la responsabilité de cette technique. Et je vais t'avouer franchement que je ne regarde pas tous les jours avant d'opérer les certifications des différents appareils que j'utilise. C'est une question très vaste, oui. De toute façon, les certifications, c'est bien, c'est pas la peine de les regarder puisqu'ils sont écrits une fois pour toutes. Et c'est pas ça qui va vous sauver. Ce qui est très important du point de vue utilisateur, parce que quand il y aura un problème, la première question qu'on se pose, est-ce que l'appareil est utilisé conformément à sa notice ? Et ça, c'est la ligne blanche qu'il ne faut pas franchir. C'est-à-dire que il y a un accident. C'est ça. L'expert matériel, je parle. Hein. Je ne parle pas d'autres sujets, moi je parle du mien. La première chose que je regarde et que je suis obligé de regarder, est-ce que l'appareil est correctement utilisé ? Est-ce qu'il est correctement opérationnel, etc. Et je suis tout à fait d'accord, je n'ai pas dit qu'il faut être contre la technique, au contraire. La technique, c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon. Bertrand, je n'ai pas dit ça, j'ai dit l'inverse, j'ai dit que c'était grâce à toi. Moi, je n'ai rien fait. Okay. Non, mais c'est grâce à toi si on a progressé. Merci beaucoup.